2. Bienvenue à la 9e édition de Marseille Web Fest. Je m'appelle Drew et je suis là pour vous. La 9e édition. Cette année, nous avons un grand festival avec 15 séries, avec 13 pays et avec 8 langues. Ainsi donc, bienvenue. Herzlich willkommen au Subsib Show. Bienvenidos. Dobra pozdravit. Willkommen. Tervetuloa. And welcome to the Marseille Web Fest. Chaque année que je viens à Marseille, j'essaie de parler un peu plus français. Mais c'est qu'est-ce que j'ai pour vous? It's all I have. Thank you. Merci. Before we get started, I wanted to make a few acknowledgments. First of all, I wanted to thank those sponsors and supporters of the Marseille Web Fest, and a special thank you to Monsieur Jean-Michel Herbert and to Monsieur Jacques Luger, the staff and the volunteers of the Marseille Web Fest who have worked so hard to put on this magnificent event. I wanted to thank those presenters, those who participated in the lectures and the presentations, who traveled all this way. Thank you so much for coming out. And to our esteemed jury, who worked tirelessly to review all the selections under the great guidance and leadership of our esteemed president, Christopher Mack. And also, thanks to all of you for coming out here and supporting the mission of the Marseille Web Fest in shining a light on independent creators. I've been working in online video for over a decade, since the very beginning. And I have to say that
online video is an industry of passion and of commitment. And it takes real guts to produce a web series and put it out there. Really, congratulations to all of you. And I wanted to take a moment to recognize the names of those series who were selected and provide the recognition that they deserve. So when I call your name out, please stand up so you can get that recognition. Okay? All right. First off, Bar Nagrud, Booze and Boobs Bar, from Russia. Добро пожаловать. Болдюк and Braddock from Belgium. Bienvenue. Close Up from France. Bienvenue. Dragon Slayer 666 from Finland. Tervetuloa. Drive from Singapore. Welcome. Gente Hablando from Spain. Bienvenidos. Ghost from the United States. Welcome. La Regale de Trois from Canada. Yeah. Bienvenue. Lotte House from Korea / Germany. Also Sipsio and Eslik, willkommen. Or Die Trying from the United States, welcome. Plekter from Switzerland. Bienvenue. Eslik, willkommen. Bienvenue. Polichinelle from France. Bienvenue. Straight Family from Germany. Eslik, willkommen. Swipe from the Netherlands. Welcome. And finally, Whatever After from the United Kingdom. Welcome. If you could all stand up again and get the recognition, please. Congratulations. You're all winners in my eyes tonight, and good luck to all of you. Now, let's get this party started. Aleluim. I'd like to now introduce, please, settle down. We got some prizes to give out, but before we do, I'd like to introduce the president of the Marseille Web Fest. Please welcome me in joining to the stage, Monsieur Jacques Kluger. Take it away. Bonjour à tous. Waouh, c'est toujours difficile de prendre la parole après un tellement beau festival. Et puis, c'est la première fois que je prends la parole en tant que président et c'est toujours pesant et stressant. Mais voilà, je suis extrêmement heureux d'être devant vous. Et d'abord, je voudrais vous remercier à vous d'être tous là. Est-ce qu'on peut allumer la lumière parce que c'est à eux que je veux m'adresser. Voilà, merci à tous. Merci à tous les créateurs, à tous les auteurs, à tous les créatifs, à tous les producteurs qui sont là, et je veux vous remercier d'être venus et d'avoir apporté cette énergie, ces émotions, et vous nous avez fait vibrer tout au long de ces 3 jours. Alors, merci beaucoup, et à moi de vous applaudir et à vous dire que je suis tellement content que vous soyez là. Alors, le Webfest, c'est un moment absolument magique.
en tout cas pour moi depuis 9 ans et cette année en particulier, parce que c'est le moment où j'ai le sentiment qu'on donne avant tout la parole aux créatifs, à ceux qui font les séries, à ceux qui donnent tant d'énergie et tant d'émotion dans la création, et que c'est un moment très très rare. Et c'est pour ça que ce festival est tellement important pour nous tous, pour avoir un forum, pour avoir un lieu où on peut s'exprimer et être nombreux là-dessus. Alors, ça me parle à moi aussi, et Christopher, vous l'avez dit dans votre discours, parce qu'on ne vient pas facilement à la création, mais quand on y est, on n'a plus envie de le quitter. Et un peu comme vous, Christopher, à 9 ans, j'ai découvert par Star Wars que des univers extrêmement variés pouvaient égayer un enfant tout petit qui se met à rêver. Alors, comme vous, je suis passé par la fac de droit. Comme vous, je me suis dit comme avocat que c'était peut-être pas pour moi, qu'on ne racontait pas assez d'histoires, qu'on n'emballait pas assez les esprits et qu'on n'arrivait finalement pas à entraîner son public, ou que quelquefois peut-être, mais d'entraîner son public dans des moments tellement beaux et tellement forts pour tous. Alors, j'ai quitté, comme vous, Christopher, le monde du droit. J'ai regagné ou j'ai rejoint la création et je suis extrêmement content aujourd'hui d'être à la tête d'un festival qui n'a de cesse de rappeler que la création est essentielle et que le web est un lieu où nous pouvons nous exprimer avec tellement de liberté que d'autres endroits ne nous le permettent pas. Et que ça, c'est essentiel. Et je voudrais, à cette occasion, vous dire que nous sommes à un moment charnière où nous tous, nous avons et nous n'aurons jamais autant de contenu, qu'il n'y a jamais eu autant de demandes et qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités de créer. Alors, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, continuez, ne vous arrêtez pas, parce que c'est formidable et que le web, que le digital, c'est cet univers de liberté où on peut exprimer ce qu'on a en nous. C'est le moment où on peut dire ce qu'on veut avec non-conformisme, que notre transgressivité de créatif peut s'exprimer largement. Et c'est un lieu où, finalement, on se retrouve dans cette liberté. Alors, ne vous arrêtez jamais et profitez du web, du digital, pour vous exprimer. L'année prochaine, le festival fera sa 10e année et un long chemin a été parcouru. Et ce long chemin a été parcouru parce que Jean-Michel Albert et son équipe se sont organisés. Alors, je voudrais, avant de redonner la parole à Drew et de donner la parole au jury pour voir quelles sont les séries qui nous ont marquées et qui vont recevoir des prix, je voudrais qu'on applaudisse tous ceux qui nous ont permis, dans l'ombre, d'avoir un festival extraordinaire, une 9e édition formidable. Je voudrais qu'on les accueille avec moi sur scène et que vous puissiez les applaudir et surtout les voir, parce que sans eux, il n'y aurait pas de festival. Alors évidemment, le premier, Jean-Michel. Parce que sans Jean-Michel, le digital ne serait pas à Marseille ce qu'elle est. Et que c'est grâce à toi que depuis 9 ans, on rêve, on crie, on pleure. Et depuis 9 ans, on est bien ici, dans ton festival. Alors, Atina. Qui se cache? Non, voilà. Alors vraiment, un grand applaudissement parce que sans Atina, rien ne tiendrait sur les pieds. Nathalie, s'il te plaît. Thibaut, sans qui vous n'auriez pas les magnifiques images que vous avez vues. Mike. Et Nasser, s'il te plaît, Nasser. Voilà. Ils n'ont pas de série en compétition, mais tous les matins, depuis jeudi, ils n'ont eu de cesse de faire le meilleur pour que vous soyez bien et pour que ce festival soit une réussite. Alors encore une fois, merci et je pense qu'on peut très fort les applaudir.
Et puis, j'en aurais fini. Un festival n'existe pas sans ses soutiens. Et on en a eu beaucoup. D'abord, la ville de Marseille, qui a donné à ce festival une grande dimension. Marseille, qui est aujourd'hui certainement la ville du cinéma en France, et qui a soutenu et qui soutiendra encore, je l'espère, avec force ce festival. Merci. Merci du fond de cœur. C'est la région, la métropole, le département, Tel France, la SACD, l'ADAMI et le FIP, sans qui le festival n'existerait pas. Alors, beaucoup d'applaudissements pour eux. Voilà, l'année prochaine, j'espère que vous serez nombreux à venir encore tout casser. Vous nous apporterez encore des séries aussi extraordinaires que ceux que vous nous avez envoyés. J'espère que vous allez tous gagner un prix. Alors, je ne suis pas Jacques Martin, mais en tout cas, je suis sûr que vous gagnerez tous un prix. En tout cas, vous avez déjà gagné un prix dans nos cœurs parce qu'on a pris un énorme plaisir à voir vos séries. Alors, bravo. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais ne vous arrêtez pas, quoi qu'on puisse vous dire. Nous avons la chance d'avoir Madame Solange Biagi, adjointe au maire, déléguée au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales, au grand centre-ville. Madame, s'il vous plaît. Merci. Tout d'abord, eh bien, écoutez, bienvenue à Marseille. Et merci d'être là. Je suis très heureuse de représenter. Donc, un grand merci aux organisateurs et à vous en particulier, Jean-Michel Albert, de m'offrir l'opportunité de m'exprimer à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la 9e édition de Marseille, du Marseille Webfest. Une édition 2019 qui, une nouvelle fois, a été très riche et je voudrais saluer la qualité du panel international réunis à Marseille durant ces 3 jours. Ce grand rendez-vous international de la création et de la production des web-séries est une chance pour notre ville. Merci encore. Bien sûr, mais au-delà, pour notre pays, car il témoigne de la vitalité de nos industries culturelles. La ville de Marseille, sous l'impulsion de Jean-Claude Gaudin, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, a fait du soutien à la création une de ses priorités avec l'excellence et le rayonnement, ainsi que l'accès de tous à la culture, comme l'a montré l'année capitale européenne de la culture 2013. Je veux vous réaffirmer mon attachement tant à titre personnel qu'à titre institutionnel à la création dans toutes ses composantes. La création cinématographique et audiovisuelle est l'expression diverse et sans cesse renouvelée de notre génie créatif. Et elle participe de manière essentielle à la diffusion de notre culture et de notre langue sur tous les continents. Marseille Webfest contribue en outre à valoriser des séries digitales pour servir l'évolution du numérique et favoriser le développement de cette industrie. C'est pourquoi la ville de Marseille soutient, depuis sa création, ce festival qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre politique municipale pour l'innovation et le développement du numérique. Deux secteurs où Marseille apparaît désormais en pointe, en France comme à l'étranger, et qui contribue à son attractivité retrouvée. Si ce festival témoigne de la diversité de la création du web, il se révèle aussi comme un incubateur de nouveaux talents. C'est dire s'il s'identifie à Marseille, qui, première ville de tournage en France après Paris, s'impose désormais comme un territoire de pointe et d'avant-garde dans les domaines de l'audiovisuel et du numérique. Avec l'ambition d'intégrer le top des 3 des villes en Europe les plus attractives
pour la filière audiovisuelle cinéma d'ici 2020. Et vous pouvez compter sur ma détermination et bien sûr celle du maire de Marseille et de toutes nos collectivités, autant du conseil départemental que de la métropole, que de la région, en ma qualité bien sûr d'adjointe, pour atteindre cet objectif. Longue vie au Webfest, et surtout je voulais encore vous remercier d'être là dans cette belle ville de Marseille, dans notre secteur, parce que c'est mon secteur municipal, alors je suis encore d'autant plus fière parce que je l'ai gagné de haute lutte avec le maire Jean-Claude Gaudin, et d'être là chez nous pour dire vos talents et pour nous faire rêver, comme l'a si bien dit Jacques. Je ne me souviens plus de votre prénom, Jacques. Voilà, merci encore à tous et bon festival. Merci madame, merci. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Bien, et bien maintenant, allons-y, que la compétition commence. Drew, it's your turn. Thank you very much to be here. Thanks. All right, yes, and also, Madame Salah, Biagi, your French is excellent. Very good. Oh, I need the, yes, the winners, just kidding. Secret ballot. Okay, but before we get started, I'd like to call to the stage the esteemed members of the jury. One by one, like as a graduation ceremony, very awkwardly. So, first off is Anastasia Griffith, the actress from England. Next up, we have Nicola Lada, producer from England. Followed by Ali Bouraba, actor and director from France. And then, of course, Alexandre Cornu, the producer from France. And our highest esteemed chair, Christopher Mack, director of creative talent investment and development for Netflix International Originals. Are we ready to get started? Are we nervous? It's going to be great. So, first I would like to invite to the stage for the prize of the best pitch from the writing residence, Anne Santa Maria. Come on up. Do you have some words? Go ahead. Tonight we are happy to introduce the best pitch. 11 projects were pitched during the writers' residency at Marseille Web Fest, and people coming from all over the world, and they had the courage, because it's very hard to pitch your own project, your future, what you believe in. So I just want you to give a big applause to that team. You know, pitching is a hard stuff, and they are on their way to be the best of the best. Please, a big applause to them. Stand up. There they are. Okay. The jury was this year Jack Kluger, Antoine Diels, Adrienne Gahalik, and myself. We had loads of discussions, and we wanted to mention someone before the award, and I'm sure he's going to stand up. His name is Santiago Korovitz from Palermo Squad. Please stand up. Have a look at his job. It's very, very funny, and he's from Argentina, so you can talk to the guy afterward. Thank you very much for pitching. The winner is, for the best pitch at Marseille Web Fest, is Max Benitz, Strictly Beginners. Congratulations. Thanks, that's very kind of you to give that to me. And also quite awkward because
I've been given a prize for basically standing up and talking in front of people, and now I have to do that again. thank you very much to you. A huge thank you to Professor Rich, who's been guiding us through this week. Professor Rich, please stand up wherever you are. Thank you so much. You've been wonderful this week. And of course, to the Marseille Web Festival for having us all, and to everyone in the writers' room. It's been really great fun getting to know you all this week, and your projects are all fantastic. So, great. It's been wonderful to get to know you. Thank you. Thank you very much. So there we have it, the first award. We are underway, ladies and gentlemen. While they're taking pictures, we're going to move on to the second award of the evening. This is the Michael Ajakwe Jr. Pioneer Award. And Jacques Kluger will be presenting this award. I think it's pre-announced, but... Bien. Tout le monde ne connaît pas Michael, mais sans Michael, il n'y aurait peut-être pas de Webfest. C'est le premier qui a cru, alors que personne n'y croyait, que sur le digital, on pouvait créer des séries, que l'on pouvait raconter des histoires sur des short formats. C'est le premier qui l'a fait. Alors, ici, au Webfest, on a voulu lui donner son nom à un prix. Et chaque année, on essaye de dire qu'il y a d'autres personnes qui continuent son œuvre, qui continuent à montrer que le digital est important et qu'on peut créer. Et cette année, on a voulu remettre ce prix à Joël Bassanet. Joël. Joël Bassager. Voilà, Joël, sans toi, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas. Tu as écrit des livres formidables dessus et tu soutiens cette création. Donc voilà, je suis très heureux que tu reçoives ce prix. Ah, merci, c'est absolument énorme. Je ne sais pas trop quoi dire. Bien sûr, je voudrais vous parler de Michael, mais ça prendrait des heures de vous parler de Michael et de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'on lui doit. Il y a une chose que je veux dire, c'est que quand on parle de Michael, qui malheureusement nous a quittés, il ne faut pas regarder là-haut, il ne faut pas regarder en bas, il faut regarder ici. Michael, il est ici. Et à vous tous, à ceux qui me donnent ce prix, à ceux qui me regardent aujourd'hui, je veux dire merci Michael. Voilà. Congratulations. Okay, for the third award of the evening will be the special prize for the Rio Webfest. Regarde sur la production François. Français. I just wanted to make sure you guys are paying attention. La production français. Française. Enfin, what? Française. I was just hanging out. It's called dramatic tension. Okay, so this is going to be presented by Frédéric Josué. Come on, Frédéric. He's an homme français. Okay, take it away. Yes, no? Bonjour mes amis, je m'appelle Leandro Silva, je suis le directeur de Rio Webfest et je suis aussi partenaire de l'équipe de Marseille Webfest depuis 2016. Tous les années, je sélectionne une série de regards sur la production française en personne de l'équipe de la série gagnée en billet d'avion et hébergement pour tous les jours du festival de 15 à 18 novembre 2019. Et la série sélectionnée est Vol 69. Félicitations et on se voit à Rio. Bon voyage et à très bientôt. Congratulations. Moi, je parle en français, par contre. Hein. Merci beaucoup. Merci à Leandro.
Leandro, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années ici quand j'étais en résidence d'écriture et c'est quelqu'un de top. Donc ça me touche énormément en fait, donc je suis très très contente. Je ne sais pas si, parce qu'on a peut-être d'autres prix et tout dans ce truc-là, je ne sais pas si je vais encore revenir là. Donc si je ne reviens pas, un grand merci à Jean-Michel Albert, parce que sans lui, il n'y aurait pas de Webfest et sans lui, on ne serait pas là. Et je suis très émue, merci beaucoup. Merci à Atina et Nathalie, parce qu'on les a vus tout à l'heure et c'est deux nanas qui sont topissimes. Et je vais juste dire un grand, grand, grand merci à mon papa et à ma maman du Webfest. Joël et Anne, parce que sans Anne, il n'y aurait pas Vol 69. Et sans Joël, bah, c'est pareil, je ne serais pas là. Donc, papa et maman, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Salut. And that was the special real prize for the production française. Thank you. Okay, moving right along. This is La Provence Coupe de Coeur Award for regard to la production française. Okay, this is being presented by the esteemed Jean-Michel Arvert. J'allais dire que malheureusement, je ne suis pas journaliste à La Provence. Donc, ils brillent par leur absence, mais bon, ce n'est pas grave. Comme vous le savez ou pas, le journal de La Provence est évidemment à Marseille le principal média de cette ville. Il y en a d'autres, mais bon, La Provence est un journal assez connu. Depuis 2 ans, il s'est associé à notre festival. Et au-delà du fait qu'il est l'un des principaux soutiens de l'Olympique de Marseille, grâce auquel ils arrivent à vendre encore, La Provence a souhaité, à travers ce festival, soutenir également la création originale française. Et donc, d'une part, à travers un prix honorifique que je vais remettre aux gagnants de ce soir, et surtout, parce que ça c'est vrai, La Provence est engagée à promouvoir la série gagnante de ce soir. Donc, je suis très heureux de remettre le prix de La Provence à la série Ratée sans avenir. Vous ne s'y attendez pas du tout. Merci La Provence qui n'est pas là. Merci beaucoup. Et nous aussi, on va faire un grand, grand merci à Anne Santamaria qui nous suit depuis je ne sais pas combien d'années, depuis le tout, tout début de cette série. Et merci à Joël aussi, sans qui on ne serait pas là ce soir. Et puis bravo aussi aux autres séries qui ont été sélectionnées dans cette sélection, et voilà, ben on est trop contents, c'est cool. Congratulations, française. Je n'ai pas jamais été là, right? I'm trying my best. The next one is the SACD prize with regard to la production française. And this is being presented by Catherine Cuenca, digital creative director of SACD. Of course. Alors, la SACD, ça veut dire la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. La SACD est notamment gérée par un conseil d'administration composé d'auteurs. Et je vous raconte tout ça parce que le jury qui a primé le prix fiction ce soir du Marseille Webfest est composé d'auteurs très divers, puisque donc à la SACD, dramatique, ça veut dire que ça raconte des fictions, ça raconte des histoires. Donc on retrouve des scénaristes, on retrouve des réalisateurs, on retrouve des gens qui écrivent pour l'animation ou pour la fiction live, mais il y a aussi des gens du spectacle vivant, il y a des auteurs de théâtre, il y a des metteurs en scène, il y a des chorégraphes, il y a des gens qui font des arts de la rue. Et je vous raconte tout ça parce que quand on se réunit un jury qui doit se prononcer sur des web-séries,
Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu de la websérie, le type de programme. Donc, c'est un peu comme si on avait des spectateurs lambda. Et puis, des gens qui viennent plus de l'audiovisuel et donc qui connaissent un petit peu mieux voilà, les objets qu'on a regardés. Tout ça pour vous dire que les débats ont été vraiment assez intéressants et... On a quelques règles, c'est-à-dire que la SACD promeut les auteurs français, donc des œuvres d'expression française. On fait de la fiction, on accompagne les auteurs de fiction. Donc les documentaires, c'est à la SCAM, la musique, c'est à la SACEM. Et nous, on est plutôt des auteurs qui défendront la fiction. Dans ce qu'on a vu, il y avait des œuvres qui étaient très produites, avec des budgets un peu lourds. Il y avait des œuvres qui étaient beaucoup plus légères en termes de production. On avait des tons qui étaient très différents parce qu'il y avait... quelque chose de très libre sur l'esprit du web, et puis il y avait des écritures beaucoup plus formelles comme on a l'habitude de voir en série télé. Tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup débattu et que donc toutes les règles qu'on avait, eh ben, on a fini par les mettre à la poubelle pour choisir en fait un lauréat qui correspond a priori pas à tout ce que je viens de vous dire, puisque le lauréat est Lostin Traplanta, qui est... donc c'est... C'est un docu-fiction en anglais et ça parle de musique. Donc voilà, on est vraiment très heureux. Alors, il se trouve que l'auteur de cette série n'est pas là ce soir et que donc, voilà, je me vais le charger de lui remettre son prix un petit peu plus tard. Mais donc, voilà, nous sommes très heureux de cette belle écriture. Magnificent. Next one is the Magasin Premier Cour d'École Award. This is presented by Nicolas Bellet, the journalist from Magazine Premier. Nicolas. Bonsoir. Alors, contrairement à la Provence, ma première vient au festival. Première pour les gens qui ne savent pas, parce que tout le monde n'est pas français, c'est un magazine de cinéma. Et forcément, on s'intéresse à la web-série parce qu'on se dit que là-dedans, il y a les pépites de demain. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir réalisateurs de films et d'acteurs qui veulent passer aussi au cinéma, qui veulent faire aussi des web-séries et du cinéma. C'est toujours... Donc, on est curieux. Et c'est pour ça que je suis très content de remettre le prix coup de cœur. C'est vraiment subjectif. Voilà, je le dis, voilà, c'est un coup de cœur. Et je le décerne personnellement à une série. Et je connaissais le nom, mais je vais faire semblant de le dire, à la série Close Up. Calmez-vous, calmez-vous. Merci beaucoup. Je n'ai pas préparé de discours. C'est pour ma part le premier prix que je gagne dans ma vie. Donc je suis très content que ce soit remis par un grand magazine de cinéma en France. Et je suis plus heureux ce soir. Voilà. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu la série, à la regarder. Merci à tout le monde d'être ici. Merci beaucoup, monsieur. Et c'est une première. C'est hyper intimidant d'être là, mais. Voilà, je voulais remercier tout le monde, voilà. Et je remercie le festival, du coup, je remercie Jean-Michel, et je remercie Jean-Michel, et je remercie Marseille aussi de nous accueillir, parce que, voilà. Ben oui, quand même. Merci, merci à tous. A very enthusiastic win, yes. Okay, now we're getting into the juried awards. That's these people here who are looking like Mount Rushmore back in the United States, sitting there, not awkwardly. Don't worry, I'll handle the awkwardness. Also, he also has very good French too, just as a note. So, here we go. So this next prize is so important because so much of the emotion of a film or a project or anything that's put on video
comes from actually the sound and the score, even though it's such a visual medium. The music is such a big part of that because it actually makes it look better. So for this next award is the Best Original Music Prize, and it's being presented by Stephen Tolkien. Come on up. Je suis content que Jean-Michel et Jacques m'ont donné l'honneur de présenter ce prix parce que pour moi, bien que je ne sois pas compositeur, le cinéma, c'est la musique. I was absolutely sure I was going to be an architect. I was about 18 years old and I went to see a film called Les choses de la vie par Claude Sautet and The Music by Philippe Sard. The collision between Philippe Sard's music and Romy Schneider's face made me think maybe I didn't want to be an architect after all. And then at the end of my architecture studies, I went to see La Nuit Américaine de François Truffaut and the collision between Georges Delarue's music and Jacqueline Bisset's face made me absolutely decide I was absolutely not going to be an architect. I was going to follow this because enfin, sans Niederreuter, il n'y a pas de Fellini, sans Georges Delarue, il n'y a pas de Truffaut. Okay. Is this it? No. Paul Étienne Côté, Le Règle de Trois. Trying to take my job. This French was pretty good too. Dang. Okay, so now, as we all know, who those of us who work in production, that it's sort of like cooking a beautiful meal, right? But it always starts with the fresh ingredients. And those fresh ingredients are then put together and chopped into a beautiful, delicious course. And that's what editing is. Editing is really where you take that beautiful, delicious source and then you actually make the story. So the next prize is for best editing and it's going to be presented by Nicola Larder from the member of the jury. Come on up. And go ahead. We have the envelope arriving. As a drama producer, I have a massive passion for being in the edit. For me, taking a series from a blank page all the way to delivering has three stages of storytelling. The first stage is with the script writer. The second stage is with the director working with the actors who once again reinterpret the story. And then the third stage is with the edit, when the whole story can be thrown upside down and rescattered, or the whole rhythm of the piece can help intensify the emotions that the audience are going to feel. So it's with a great honor that I get to present this award, and it goes to Adrien Pallateur-Polichinelle. Woo! Bonsoir, merci beaucoup au jury, merci beaucoup à ce beau festival et à toute l'équipe. Adrien va être absolument ravi, c'est un vieux pote. Et, enfin voilà, je pense que c'est... que dire par merci. Je suis désolé, je suis un peu ému parce qu'en fait, ça parle de famille et d'enfants et de grossesse. Et ma sœur est en travail en ce moment même. J'attends les photos sur WhatsApp, donc voilà, je suis tout tremblant, désolé. Merci beaucoup pour Adrien, ça va lui faire énormément plaisir. Now for our next... This is the beautiful fruit, the ripe
fruit of production, the glistening tomato in the marché. This is the Best Actor Award. And this is going to be presented by Ali Bougueraba from the jury. Come on up. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai un peu la pression, j'ai l'impression que c'est moi qui ai gagné ce prix. Tout d'abord, dire que le rôle d'acteur ou d'actrice dans une production audiovisuelle est très important. Parce que même si c'est un travail d'équipe, que ce soit pour du scénario, de la réalisation, même jusqu'au maquillage, le comédien, l'acteur, c'est celui qui est devant les feux des projecteurs. Si ça marche, ça cartonne, c'est super pour lui. Mais si ça ne marche pas, le film ne marche pas, c'est sa faute. Il est porteur d'espoir. Il porte l'espoir de toute une équipe. Et donc ce soir, si je vais faire une comparaison avec le foot, parce qu'on est une ville de foot, si un film est une équipe de foot, le comédien ou la comédienne est le numéro 10. Donc, c'est à eux de marquer, en fait. Donc, ce soir, notre attaquant, notre comédien, c'est Ramón Barea, Gente Hablando. Yes! Well, I'm not Ramón Barea. I'm the director of the show, but I get this to him. It's an honor for me to work with somebody like him because it's a very famous theater man in Spain, and it's a whole sequence. It's a how you say that in English? Sequence shot. No, it's like there's no cut. It's like in. It's a continuous. Yes, cut. Yes, and he's very old, and he was very worried, but he go for it, and he did it very well, and I'm very proud of him and the whole show, of course. Thank you so much. Like the sun, there's the moon. There's the ocean. There's the desert. We just had the Best Actor Award, and now we bring the Worst Actor Award. No! The Best Award for Best Actress, which will be presented by Fanny Sidney, the actress and director. Where? Oh, there she is. Merci Jean-Michel. Un petit mot personnel. D'abord, merci de m'avoir permis hier de profiter du Webfest pour faire un exercice un peu particulier qui était celui du screen test. Et avec ces deux nanas-là, avec qui je co-réalisais là, cette petite série qu'on montrait hier, il y a 10 ans, on faisait le Festival d'Avignon pour essayer de pousser des portes de casting qui ne s'ouvraient pas. Et on suait dans la rue, on faisait des parades, on chantait. Enfin, c'était une vraie galère, c'était vraiment une mauvaise idée. Et après, elles ont fait une web-série qui s'appelle Loulou. Et là, elles ont fait 5 millions de vues. Donc, c'est une bonne idée pour les acteurs de s'emparer de cet espace-là pour exister, pour se montrer, pour jouer, pour juste le plaisir de jeu. Et je crois que les actrices qui vont, parce que c'est un prix commun ce soir, qu'ils reçoivent ont été... moi, je suis très admirative du travail qu'elles ont fait et du plaisir qu'elles ont pris et qu'elles donnent. Et donc, ce prix va à Zoé Marshall et Faustine Fosiel au close-up. Yeah. Merci beaucoup, c'est super émouvant d'être là. Je suis trop contente d'être avec Zoé en plus, parce que c'est une aventure qui a commencé il y a maintenant un peu plus d'un an et c'est formidable d'être là. Je voudrais remercier Jean-Michel de nous avoir offert cette opportunité d'être là. Merci beaucoup, membres du jury, et bravo à tous les autres compétiteurs. Et c'est un plaisir. Et Zoé, je voulais te dire que je t'aime. Et Florent,
qui est là. Merci, parce que sans toi, on ne serait pas là non plus. Et merci à la famille et aux potes. Voilà. Alors, je suis pas très à l'aise en public, ça se voit. Mais bah, je remercie. Je vais pas trop parler devant les gens, pardon. Mais je remercie tout le monde. Je remercie le jury beaucoup. Merci beaucoup. C'est très, je suis très touchée. Voilà. Merci Marseille. Vive l'OM. Merci Close Up. Voilà. Merci tout le monde. Je suis très touchée. Florent, je t'aime. Faustine, je t'aime. Vive Close Up. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez l'OM. Okay. The next one is, of course, the backbone of any production. The award for best screenplay, which is going to be presented by Cathy Vernet. Please welcome to the stage. Je suis très honorée de remettre ce prix. Les séries que j'ai vues pendant le festival m'ont touchée parce que c'est des scénarios qui étaient très connectés aux acteurs, aux actrices, des histoires très humaines et qui profitaient de nature incroyable. J'ai trouvé que c'était habité parce qu'il y avait cette liberté, cette absence de contraintes peut-être après ce qui se passe avec les chaînes, etc. Donc oui, continuez. Et bravo pour toute cette humanité. Donc, le prix du meilleur scénario est attribué à Sandra Parra et Armand Robin pour Polichinelle. Toujours pas. Merci infiniment. Donc, la co-créatrice et co-scénariste et donc actrice, c'est la blonde de la série, Sandra Parra n'est pas là malheureusement ce soir parce qu'elle joue. C'est un peu la meilleure excuse. Donc, en son nom et au nom de toute l'équipe et du coup de tous les acteurs dont on était extrêmement proches, évidemment. Merci infiniment, c'est une super récompense parce que je suis scénariste de métier, donc ça me fait bien plaisir. Voilà, merci encore au jury, merci encore au festival. Alors, we've now arrived at a role in production that many could argue is one of the most important roles. Every single aspect of a production is important, but there's only one that ties it all together. This is the chef de cuisine, if I'm going to extend my analogy yet into another award. One of the most important people in any production, of course, is the MC. But this award is for the director, and it's going to be presented by Jacques Kluger. Come above. Eh bien, le meilleur réalisateur cette année a été attribué à Alvaro Carmona pour Gente Hablando. Well, direction, yes, I did it. This one, yes, I did. Thanks to the jury, and thanks to the festival, to the Marcel Web Fest. And I think I'm a writer. It's the first thing that I direct, and I'm proud of a show that it's very simple, but we believe that that a conversation could be cinematic and interesting, and we try to do it, so thank you so much. Thank you.
Okay. We've gotten to the final award of the evening. Are you ready? Comment ça va? Good? In the back? All right, let's do this. The Grand Jury Prize will be presented by the president of the jury, Mr. Christopher Mack. Please come up. They've done a fantastic job. Take it away. Thank you. Again, Jean-Michel, thank you again for having me be the president of this amazing web series festival. I'd also like to thank my members of the jury. We spent 6 hours watching 15 series, and I got to know them, and they're amazing people. I look forward to carrying on this relationship in the future. So it's interesting, you know, I've been on trials in America, both criminal and civil, and an interesting thing happens when you become a jury member of a trial. You take it seriously. You're like, oh wow, there's somebody's life's in the balance, or oh, this person is suing somebody for some money, so let me make sure that the right person wins. I've never been on a jury for a festival, and I didn't realize that I would have the same experience, because I think every one of us here and in the crowd have been part of production, have been part of some kind of cinematic experience, and we know how hard it is. From the blank computer screen, coming up with the original word, to that final edit, you know, realizing that you didn't get the shot, so how am I gonna tell the story in this scene? And figuring it out and actually making it better. So for us, when it came down to the Grand Jury Prize, it was, to use a metaphor, it was a photo finish of four series that kind of bubbled to the top for us. And I'd like to share those with you if you're interested. There's, and excuse my French, I'm American, and unfortunately I speak 1.5 languages. I half speak Spanish, and I'm not very good at that either. So there was La Regale des Trois, the musical. We found that really interesting because it told a story about love in a very farcical but grounded way, and really related to it because how, you know, everybody wants to be able to capture that moment of in love at its highest moment, and how do you do that without going through all the bad parts? And this is what this show explored, I thought, in a very effective way. Close Up, we thought was really, really interesting in terms of exploring a relationship between two girls. I think every one of us, even though I'm not a girl, it's like I know that girl. The Wax episode was brilliant. there was Polly Chanel, which I think Kathy, you said it beautifully. Just a story about two people wanting to experience the most sacred thing in life, having a baby through two women. Very simple, very intimate, very honest. And then there was, help me out, what was the, Gente Hablando. Capturing moments of people in the world that were surprising, but real. You know, from two old men who found each other sharing the passion of porn, to a woman who, tests how much is faith worth by blackmailing a priest. So very, very interesting stuff all around. And basically what we came to was how do you tell a web series? What's the best way to tell a story in a web series? And we felt this series told it most efficiently. Every episode had a beginning, a middle, and an end. It had a goal. I'm getting a little, you know, film school on you. It had a goal and a conflict. And again, we watched it multiple times, and each time we found something new, and we felt that this was the one that kind of, you know, made it across the finish line by a nose, and that is Polly Chanel for... Thank you.
part le dire en anglais, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Là, pour le coup, c'est toute l'équipe qu'il faut remercier. Bon, là, je suis tout seul, mais il y a énormément de monde qui a contribué à ça. Je ne sais pas quoi dire à part merci. C'est extrêmement flatteur, ça va faire plaisir à énormément de gens. J'aimerais vraiment qu'ils soient là derrière. Voilà, merci beaucoup et encore une fois, merci au festival. Well, that concludes our final award. I wanted to thank once again our esteemed jury, led by Christopher Mack. Please stand up, Anastasia, Nicola, Ali, and Alexandra. Thank you so much. Jean-Michel and Jacques Kluger, the staff and volunteer of the Marseille Web Fest, all the winners, and everyone who was a selectee. And finally, all of you for being part of this fantastic community of creators and coming out and supporting the 9th, 9e, this wonderful event. Amazing, and thank you, and good night. Mwah. Good.